Eh bien, bonsoir à tous les écouteurs. C'est moi. Oula, oh là, je suis en train de voir ma gueule. J'avais pas regardé la caméra avant de démarrer le live et tout. Waouh, entre les cheveux, la mine de déterré. Incroyable. Incroyable cette tête, putain. Oh, au secours. J'espère que vous allez bien. Moi ça va en vrai. Mais ah ouais, violent. Violent de fou, hein. Bon, vous voyez, comme je disais, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça va, ça va. J'ai un petit peu, pas beaucoup dormi ces derniers temps, disons. Mais sinon ça va. Du coup, c'est pour ça que je suis un petit peu à la bourre, je suis un peu claqué et tout, le temps de me mettre en place, tout ça, tout ça. Mais j'avais quand même envie de live, parce que hier j'ai pas live, parce que j'ai pas live. Et demain je liverai pas, parce que Spider-Man No Way Home. Et ouais les enfants, c'est demain. Et aussi parce que ça va faire 2-3 jours que je l'ai fait et je l'ai pas annoncé. Donc il y a des gens qui l'ont peut-être vu, d'autres non. Maintenant pour les abonnés, il y a un nouvel emote. Regardez, je vais vous le mettre sur le chat sur le côté. Hop. Hop. Il va apparaître sous vos yeux ébahis. Ah là. Il est beau, hein. Ah, il est beau. Si, il est très beau en vrai. Je dis beau parce qu'en fait c'est censé me représenter moi, mais que moi je me trouve pas beau. C'est Sorbet Citron qui l'a fait. Et du coup, c'est le nouveau logo de chaîne aussi. C'est Timoth et le nouveau logo de chaîne. C'est la même chose. Là, c'est le même dessin. Et c'est Sorbet Citron qui nous a fait ça. Donc, un grand merci à lui. Parce qu'en vrai, je trouve ça trop cool. Alors désolé, hein, je vais pas mettre beaucoup d'enthousiasme, je suis claqué. J'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Allez, on part en jeu tout de suite. On va s'infliger de la douleur. J'avais pas démarré, putain. En plus, je sais pas comment je fais pour pas voir quand je démarre pas les jeux, parce que c'est vraiment, l'écran il est là, et il est plus gros que le... Bon bref. Team Meat. Évidemment. Voici Meat Boy. Et voici Bandage Girl. Elle aime Meat Boy. Et Meat Boy l'aime. Voici Dr. Fetus. Personne ne l'aime. Et c'est pour ça que Dr. Fetus vous déteste. Mais surtout, Dr. Fetus déteste Meat Boy. Alors, il lui a cassé la gueule. Et il a kidnappé Bandage Girl. Et donc, vous attendez quoi? Allez sauver son héros! Super Meat Boy! Super Meat Boy! J'ai encore tout donné comme la dernière fois. Bon! On va! Ça va être passionnant. Ah, il me manque un bandage quelque part ici, mais. Je ne saurais dire où. Bah si je savais déjà il me manquerait pas. Est-ce que je peux te jarter un peu toi? Oui, hop, très bien. Il me faut de l'espace pour voir mon écran. Oui, donc l'objectif de ce soir, hein, c'est de réussir les 20 niveaux du monde 4 en light world. Parce que je pense qu'il y a grave moyen de passer ça ce soir. Bon, le PC, je sens du jeu dans le monde. Casque, voilà, soit pas trop agressif pour moi en tout cas. Je comprends pas en vrai pourquoi il meurt là.
Après, on s'en sort pas, mais... Je trouve ça juste trop con, quoi. C'est en voulant aller vite qu'on va pas vite. J'ai failli y retourner direct, mais la cascade de lave, quoi, ouais. Ah oui. Alors, je sais pas combien de temps je vais streamer, mais je pense que ce soir on fera que du Super Meat Boy. Hein. Il y aura pas de genre des sloops ou quoi après. Kingdom Hearts, faut que je continue à avancer, parce que la dernière fois je vous ai dit, ah, j'avance machin, nanana, depuis rien. J'ai pas fait comme d'habitude, ça m'a perturbé. Ouais, donc du coup, faut que j'avance dans Kingdom Hearts. Salut, salut! Comment il va, lui? Dans sa vie. Ouais. Ah bon? Je sais pas, moi je regarderai la finale après en replay ou demain. No spoil. Bah, t'as tout compris. Ok. J'ai pas fait comme d'hab. Merde. Yes, mais je crois que je suis mitigé sur un... Ah ouais. Ouais, bah je sais pas. Je ne sais pas, mon grand... Je ne sais pas qui a fait quoi, puis... Je cherche pas à savoir non plus, sincèrement, tu vois. Enfin, je sais de quoi ça s'agit, mais je ne sais pas qui l'a fait, qui l'a pas fait. Ah putain! Ouais, à ce point, je sais pas. Bon... Tu sais, maintenant, vu que je la regarde plus en direct et que je la regarde en replay, je vais plus sur Twitter, tu sais, en même temps. Bah, parce que sinon, je suis spoilé, quoi. Ouais, je sais pas si... Oh putain, du coup, j'ai avec tes conneries, tu vois. Je sais pas si c'est un compliment ou quoi. Ah, j'aime pas trop regarder... Regarder Koh-Lanta, je préfère te voir souffrir, enculé. Oh, mais avec plaisir, t'inquiète. Et là, on est arrivé à un point du jeu où... Le jeu est devenu difficile, si j'ose dire, quoi. Parce que... On va dire qu'avant, c'était facile, lol. Exactement ça, ben je sais.
Alors, il y a des fois où je parle pas, je sais, ça fait des blancs, hein, mais concentré quoi. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Hop, hop, parfait. Ok. Ok. Je sais pas comment tu fais. Bah, en fait, j'utilise mes. Mes doigts sur la manette. Ok. Ouhou, allez. Ouais. Putain, la panique de merde. Chier. Allez, je vois. C'est tout qu'on en veut. Ouais. Non, mais il y a toujours des moments comme ça, ce soir. Ouais, bien joué. Ok, ok. Ah, je suis un fils de pute. Je sais pas pourquoi je me suis laissé tranquillement porter alors que j'aurais dû sauter avant. Ok, vas-y, viens. Bien joué. Là, on y va tranquille. Voilà. Là, faut speeder. Voilà. Celui-là, il est un peu piège en vrai, des fois, je trouve. Je peux me faire avoir facilement comme un con, mais... Ce soir, pas encore. Ouais. Tu vois, je trouve easy. C'est très rare que je perde là. Voilà. Bon bah celui-là j'ai déjà fait des conneries hein. Oh t'inquiète, j'ai du courage. Mais merci des encouragements en tout cas. Ah putain! Je sais pas pourquoi je fais des doubles sauts de mort quand il faut pas. Putain, encore niveau 6. Alors que le niveau 6 je maîtrise en vrai, hein. C'est juste que j'ai fait. Que j'ai fait un double saut alors que pas besoin. Je sais pas, bizarre mais. Sato Maestro. Le nouvel adjectif à la mode. Putain. Je fais énorme. T'as eu le logo de la chaîne au fait du coup? Mais pourquoi je fais nimp? Je suis un connard. On y retourne. Ta fumée. Il est bien, non? C'est aussi un émoticône d'abonné maintenant. Merde. Du coup, ça me perturbe. Voilà. Sorbet citron qu'il a fait. Gentil maintenant, cet homme-là. C'est rattrapable. Allez. Mais me déçois pas. Wow. L'ours en vais jeter.
Non, c'est sorbet citron, pas sorbet chocolat. Mais putain, j'en étais sûr. Avec ça, c'est une savonnette de merde, ce fils de chien de talus là. J'arrive pas à dépasser le niveau 6. Tiens, curieux. Alors pourtant, c'est pas le plus dur, hein, je trouve. Mais juste, je suis une bite en bois. Ouais, là je suis toujours un petit peu obligé du coup. Allez, viens. Vas-y. Allez, galère bien, galère bien. Hop. Là, quand je commence à aller vite sur le niveau 2, c'est que ça commence à. Bah, jouer avec mes couilles, hein. Là par exemple ici pour passer entre les deux si, il faut pas que je fasse de double saut et que je fasse un saut simple. C'est la même chose sur le niveau 6. Voilà, pour arriver jusqu'à Bandage Girl. Tout ça parce que j'ai pris 2 secondes pour parler. Regardez, je vais le faire, hein. Je suis sûr que ça va passer. Voilà, là il faut que je fasse un seul saut en fait. C'est ça que je voulais dire. Faut pas que je fasse de double saut. Ok, on y retourne. Ok, tout va bien. Tout va bien. Avec le feu, ça fait de bien. En fait, c'est ici que j'aurais dû me mettre pour vous parler tout à l'heure. Oui, dans des gueules, un petit peu de pleurs, des couilles. Bon, va sur le rebord, s'il te plaît. Merci. Voilà. Attendre que la bouboule. Voilà. Ah. Ah, c'est vrai que j'ai mouru là tout à l'heure. Je m'en rappelle. Curieux, hein. Putain. Je vais me réentraîner. Mais en vrai, j'ai pas besoin d'entraînement. C'est juste que ça va passer. C'est que j'arrive pas à tout enchaîner du premier coup. Hein, mais quand je les prends individuellement comme ça pour dire oh bah regardez, je vais m'entraîner. Ça va.
en fait. Bon. Pas là. Mais... Merde. Et c'est pas le plus dur pourtant, je trouve, celui-là. Non, les plus durs de la série, ils arrivent à la fin, justement. Ça va être... Voilà, c'est bon. Juste être patient. Ok. Ouais. Bon. Mais putain, mais il saute! Mais il se fout de ma gueule! Ah, comment il me casse les couilles, là? Ah, comment ça fait pas longtemps que je suis en live et que j'en peux déjà plus? Mais putain, mais il saute pas! Mais il se fout de moi! Oh, non, là, c'est moi qui fais n'importe quoi... Oh putain, ça promet pour la suite. Ok. Full concentration cette fois. Putain de merde quoi. C'est incroyable hein, vraiment c'est incroyable de d'être à chier comme ça. Je vais enchaîner à partir du 7 juste pour qu'on voie un peu la gueule des autres niveaux. Hein. C'est, on va refaire de l'entraînement un peu entre guillemets mais. Ouais là je m'en fous de crever, c'est juste on refait un peu d'entraînement. Quoi. Ah oui, ah oui, ah bah oui. Oula, ouais, j'ai hier. Oh, ça va être galère. Oh, j'en... oh là là.
Oh, j'ai pas envie. Comment j'ai pas envie? Oh là là, pourquoi j'ai fait ça ce soir? Et juste avant, en plus, je le dis, oh, j'ai pas bien dormi, je stream tard, blabla, mes couilles. Oh là là. Pourquoi? Ça, ça va, c'est bien. Ah, j'ai fait bugger la Matrix, là. Bah oui, il faut que j'aille au-dessus. Pourquoi je suis bizarre, c'est tout. Ouais, on va y aller comme ça. Bon, on ira comme ça en temps voulu. Oui, papa, en dessous du coup. Pourquoi je suis un connard dans ma vie en vrai? Incroyable ça, non? Ouais. Là, je suis en train de galérer sur trois boules de merde. C'est pas dur en plus. Je dis beaucoup de fois c'est pas dur. En vrai si c'est dur. Mais ça me paraît pas être ce qu'il y a de plus dur en fait. Je sais pas comment exprimer ça. Putain, mec, faut savoir se ressaisir, hein. Alors ça, normalement, si je me rappelle bien, hein. Voilà. Donc en fait, faudrait que j'aille à gauche direct, limite même en... Je suis dans le premier... Je sais pas, on s'en fout, en fait. Je fais ce qui est le plus simple pour moi, ouais. Oh. Ok, let's go. Oh, c'est dégueulasse de faire ça en vrai. Parce que c'est pas... Ben... Non. C'est mon argumentation. Ok. Bon, celui-là il est simple comme bonjour aussi. Voilà. Ah putain, c'est bien, on y est. Ah non. Ah là, les premiers qui font chier déjà. Allez, on va. Ouais. Le problème avec ce genre de niveau, c'est que je suis point sûr de... Putain. De le re-réussir. Il faudrait que je passe 1000 ans à m'entraîner encore là, mais... Pas envie non plus, quoi. Oula, oh putain, j'ai cru que j'étais mouru, mais ça. Ah oui. C'est moi. Ah, celui-là, il est chiant. Ouais, celui-là, j'aime pas.
pas fun, quoi. Oh là là, comment j'ai pas envie en vrai. C'est un truc de fou. De faire les copains. Ah oui, en vrai, je crois que j'avais fait. Alors, pas ça, mais un truc dans ce genre là. J'avais réussi à passer. Je me rappelle très bien ce que j'avais même dit. Et en vrai, est-ce qu'on pourrait pas gruger? Oh là là, mais ils me font chier ces trucs de merde. Mais je crois que je peux en vrai. Je vais m'obstinationner, mais. Et la dernière fois, j'avais réussi. En plus, j'avais réussi le premier coup, je crois. Voilà. Là, du coup, je suis à l'abri. J'attends un peu ce truc-là, parce que bon. Flemme de tout. Voilà, voilà. À mon avis, ça aurait été passé 100. Ok. Je vais réessayer juste le passage en fait. Bon, pas ça du coup, hein. Juste ça. Ah ouais, mais oui, mais il faut que je me manie un peu plus le tronc, quoi. Ah, c'est pas simple à exécuter quand même, hein. C'est pas simple, mais c'est ce qu'il y a de plus sûr, en fait, limite. C'est bizarre à dire, hein, mais... Oh, putain. Il me faut la mécanique, il me la faut, hein. Je vais insister un peu, ce... Ça, c'est un indispensable, les enfants. Ouais, super, non, c'est pas... Il est chiant, des fois, à pas sauter quand je lui demande aussi, hein. Ah, nique-toi. Bon, allez. Je retiens que c'est le niveau 18, mais j'y reviendrai après. Je vais faire les deux derniers quand même pour la forme avant. Parce que je dois regarder des choses. Ah oui, voilà. Ah putain, comment j'ai pas envie, quoi. Je me répète, mais j'ai pas envie. J'aurais pas dû faire du Super Meat Boy ce soir. En vrai, je pense que... Limite... Peut-être passer à autre chose, hein. Bah, à part... J'ai pris un peu mon temps, mais ça passe. Bah moi je vais faire une petite pause parce que j'ai très envie d'aller aux toilettes depuis tout à l'heure, c'était pas prévu. Donc du coup, bah, je vous dis à tout de suite, tout simplement.
Thank you.
Me revoilà, je vous remercie pour votre patience parce que la pause a été longue. Excuse. J'ai eu quelques imprévus. Pardonnez-moi. Bon. J'ai dit que je ferais peut-être autre chose, mais non, hein, de toute façon, il faut avancer dans ce Super Meat Boy. Oui, je voulais me réentraîner à ça, là. Je vais étudier toutes les possibilités. Voilà. Alors, je vais me tuer exprès pour le refaire. Essayer, hein. Ce sera peut-être le niveau à passer en premier, blague à part. Hein. On se fait 18, 19, 20 et. On n'en parle plus. Ouais, on va essayer. Hein. Essayons ça pour voir. Je pense qu'il faut qu'on se fasse au moins les trois derniers en premier. Le problème, c'est que je sais plus trop c'est quoi qu'il y avait avant, genre le 16 et tout. Ça, si on allonge la liste de ce qu'il y a à faire en premier ou pas. Chiant. Ah putain, quelle joie intense, hein. Ok, on y est. Ouais, mais si c'est pour crever là, très peu pour moi, quoi. Pourquoi ça peut être pourri, ce niveau? Putain, mais merde, quoi. Au secours. C'est pas chiant à chaque fois de devoir revenir vers la carte là. Oh là 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 là. Quel enfer, hein. C'est le monde, hein. C'est l'enfer, quoi. Pas d'effort. Ok. Allez, troll pas. Thank you.
Bah oui, alors qu'en fait, rester au sol, ça m'a l'air d'être ce qu'il y a de mieux. Pourquoi je le fais pas? C'est bizarre, hein. Ah putain, qu'est-ce que j'ai hâte d'aller me coucher et de me réveiller pour Spider-Man. Pardonnez-moi, je me fais des réflexions. D'ailleurs, du coup, je l'ai pas dit, c'est pas très intéressant, hein, mais je vais le dire. Je me suis même organisé un marathon en prévision, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai commencé un film par jour, hein, et j'ai commencé assez tôt, j'ai calculé ça, pour regarder un Spider-Man par jour avant la sortie de No Way Home. Donc du coup, j'ai regardé la trilogie de Sam Raimi, j'ai enchaîné avec les Amazing. Alors, parce que qu'il y ait les Spider-Man ou non, j'ai déjà mon avis là-dessus, bah c'est canon au film, hein, parce qu'il y a les méchants quand même des deux univers. J'ai regardé Civil War, j'ai regardé Homecoming, j'ai vu que j'étais large, du coup j'ai regardé Infinity War Endgame. Et donc ce soir, il me reste Far From Home à regarder, et Dodo, puis on va le prendre demain, quoi. Putain, mais pourquoi je fais ça? On commence par le 19. Ça n'a pas de sens, parce que le 18 va être tout aussi galère. Ouais. J'étudie un peu la chose. Non. Bah non, il faut que j'étudie le truc. C'est de la merde. Ça me saoule. Je vais arrêter de tenter ça. Je vais essayer de trouver le dernier pansement, blague à part, peut-être. Et je vais faire d'autres pansements et tout, parce que là je suis claqué et tout. J'ai pas la tête à faire ça. Est-ce qu'il serait pas là? Non, je pense pas, du coup. Alors là, je suis juste en train de fouiller pour les pansements. Hein. On sait jamais, hein, si ça s'enchaîne bien, tant mieux. Si je mets en cours de route, tant pis, quoi. J'ai pas l'impression qu'il y ait de pansements non plus là. Je l'aurais vu, hein, s'il avait été là. Ouais. J'ai l'impression qu'il y ait grand chose non plus. C'est sûr qu'il est pas là. On va quand même le faire, hein. On sait jamais, comme je disais. Alors, j'ai pas l'impression qu'il soit ici non plus. Putain, il me fait chier. Hop, c'est bon. Je peux revenir vers la carte et puis enchaîner 8 et tout. Ça veut pas, hein. Enfin, je pense pas que ce soit là non plus. Après, de toute façon, à force de les connaître par cœur, ça passe, hein. Ça passera. Hein. Ah là 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 là! Au secours, quoi!
J'ai pas bien vu le haut, donc je vais retenter, mais... Je pense réellement pas que ce soit ici, quoi. Ok, mais... Ah! Ah! Mais putain, mais... Au secours, je suis con. Oh là 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 là. Salut Destiny, ça va très bien et toi? C'est merveilleux ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure, c'est... Petite pipite. J'arrive pas à passer ça, alors que c'est pas le plus dur. Hein. J'ai l'impression de dire ça à tous les niveaux, mais... Vraiment celui-là, voilà quoi. Bah tant mieux, tout va bien. Passez une bonne journée, tout ça, tout ça. Ouais. Tout ça pour se rendre compte qu'en fait le bandage il est pas là. Ok, allez. Non, bah ici il y a déjà. Non, il est pas là. 100% il est pas là. De regarder un peu, mais est-ce que ça vaut bien le coup? Je suis mort. De toute façon, je suis content, mais au top du top. Ah ouais, à ce point-là. Moi je sors d'une crève, j'ai pas bien dormi cette nuit. Il m'a dit allez, Super Meat Boy quoi. Normal. Qu'est-ce qui te rend tant joyeux? Bon, si tu veux l'oublier, hein, bien sûr. Le problème, c'est que j'ai pas eu le temps de voir s'il y avait réellement un bandage ou quoi, c'est pour ça que je regarde le ralenti. Ouais. Il n'y a pas. Ici, il n'y a pas, mais c'est pas grave, ça va vite à faire. Hop. Voilà, j'ai fait une bonne note en ce début de deuxième fois. Ah, good. Good, good, good. Après, si t'as des bonnes notes, c'est parce que tu fais le taf, hein. Bon, y a pas de bandage ici. Là, y en a un, donc non. Là, ça m'étonnerait parce qu'il va déjà avoir zone. Ouais, effectivement, là, c'est me paraît. No possible. Ici, j'ai pas l'impression non plus, mais on va regarder quand même, quoi. Ouais, non, y a pas. Ici, il y avait. Je m'en rappelle pas bien. 18 et 19, du coup, mais... Je vois pas où est-ce qu'il pourrait être, du coup, ces bandages. Alors, ça m'étonnerait qu'il soit dans celui-là. Peut-être. Ça, je le fais quand même. Non, il est pas. Hein. Hop. Je le fais quand même, donc cette année compte beaucoup pour le brevet. De ce fait, je taffe comme un bourrin. Ah, le brevet. Le brevet. Ça monte à loin là pour moi.
Incroyable. Je pense pas que ce soit non plus, hein, vraiment. Bah. Ou alors, il y en a 11. Il y aurait 11 bandages, non? Normalement, ce soit 10. Moi, je sais pas. Au monde noir. Bon. Allez. C'est quoi ça d'entrée de jeu? Au secours? D'entrée de jeu comme ça, ils te mettent. Ok, bon, ok. Ouais. Imagine qu'il n'y a pas de. Non, il n'y a pas. J'aime pas regarder si j'avais eu. Fait mon rang à plus ou quoi, bah non. Je suis con. Allez! Oui, c'est sûr ça. Le m'a dit que si je continue comme ça, le brouillard sera directement admis pour moi, j'aurais juste à aller chercher. Ah oui! Oui, moi. Je sais plus. J'allais dire, moi c'était pareil, mais en vrai, je sais plus. Ou alors, il me manquait réellement pas grand chose, tu vois. Ça remonte à loin, hein, je te dis. Moi, le brevet, c'était. Attends, je vais essayer de calculer. Pourquoi je. Quatre. Putain, je suis en train de galérer à compter quand c'était mon brevet, mais ouais, ça devait être il y a. Je sais pas, 5-6 ans, ouais. Je veux bien, très bien, bah il faut. Il faut. GG à toi en tout cas. Oh putain. Ouais. Oula, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie là? Mais putain. Mais ah mais j'arrête pas de crever hein, c'est un délire. J'ai parce que pour le platine, il faut que je fasse à chaque fois, tu sais, les enchaînements de 20 mondes. Sans crever, mais j'ai laissé tomber l'enchaînement que je faisais pour avancer un peu entre guillemets et faire mes rangs à plus et tout. Mais ce soir c'est compliqué, hein. Surtout que comme je l'ai dit, je suis claqué. Ça c'est pas, ça va pas être un stream de 4 heures, ça. Ça c'est, je le sens. Ouais. Hop. Enchaînement de 20 mondes. Ouais, les 20 niveaux en fait. Genre par exemple, je vais revenir à la carte pour montrer. Là, il faut que j'enchaîne les 20 là sans crever. Mais c'est pas ça que j'essayais de faire. Depuis tout à l'heure, j'essaye d'enchaîner les 20 qui sont là. Mais j'arrive pas, je suis claqué et tout. Du coup j'ai dit bon bah je vais avancer.
Et donc du coup après t'as d'autres choses hein, pour le platine, il faut finir les mondes avec le rang A+, tout ça, c'est ce que j'essaie de faire. Ah, il est chiant. Ah, voilà. Oh là là. Cette patineuse. Allez, ouais, fais donc ça. Hop, prends un plus. Yes. Dommage, je viens essayer. Ouais, non, bah. Là, ça va, je suis entre guillemets sans pression. Je sais que j'ai pas de limite. Je peux mourir autant que je veux, tu vois. Ah, et bah oui, je l'ai vu arriver, sûr. Quand ça vite. Bah oui, il faudrait que je passe à droite, mais... Ah ouais, à droite, c'est... Merde aussi. Ah, ça fait plaisir à chaque fois d'en passer, hein. Ah là 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 là. Mais allez! Il faut que j'avance aussi en privé sur Kingdom Hearts, faire mon leveling parce que sinon. Ah, c'est pareil, on finira jamais ça quoi. En plus, ils ont mis un bandage sur la route. Les mecs n'ont pas de cœur. Les mecs n'ont pas de cœur. Ah ouais là non mais là c'est full je rebondis hein mais oh là là il faut aller vite quoi, il faut aller vite puis si tu vas vite tu te foires. Ah ouais bah ouais. Allez. J'ai envie d'abandonner en vrai pour ce soir. Je vais continuer encore un peu, hein, mais là, j'avoue, c'est chaud, hein. Ouf, presque, je sais pas. Mais ah non, oui, c'est ça. Oh là 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 là. En vrai, Super Meat Boy, je pense que c'est pareil, il va pourrir un peu dans un coin un petit moment, comme j'ai fait avec Crash. C'est ce qu'il faut pas faire avec ce genre de jeu, mais je vais le faire, je pense, parce que mentalement, ça va pas aller. Quand j'ai fait Crash Bandicoot 4, je l'avais laissé pourrir dans un coin, je suis revenu, j'avais perdu tous mes repères. Fait que je me réapproprie le jeu. Ça va être pareil, mais ça me fera du bien pendant un court instant. Tant que ça durera, quoi. Ah, qu'il est chiant. Par contre, on la musique, Super Meat Boy, hein, on a été chercher ça chez Doom. Ah.
On va y arriver, hein. Un jour. Il est chiant à se bloquer là aussi. Mais qu'est-ce que... Mais c'est un enfer. Oh là 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 là. Américaine, tu fais des éditeurs sur ce jeu, je sais pas si tu connais. Si, si, je l'ai, bah, je l'ai fait en live aussi, il y a fort longtemps. Ça faisait peut-être un mois qu'il était sorti. Le Breath of the Wild d'Ubisoft. Après, j'ai pas fait de 100%, hein. C'était réellement le let's play. On fait l'histoire et on s'en va, quoi. Au secours, vraiment là, je sais pas. Mais ouais, sinon 18 ans en un week-end, la vache, c'est beaucoup quand même. Pas se mentir. J'étais en train de. Parce que j'essaie de me concentrer en même temps et puis je pense à ça, mais ça se fait beaucoup. Bon. Moi je sais pas, franchement je sais plus. Je sais plus comment j'ai fait ma tambouille. Hein. Mais, puis je te dis, j'ai pas cherché plus que ça. Le 100%, enfin, je l'ai pas cherché du tout même. Donc je sais pas. Puis je sais, ça remonte à un petit moment maintenant. Hein. C'était un de mes premiers let's play, en vrai, que j'ai fait. Ça fait déjà un an que je stream. Donc ouais, ça commence à dater, hein. Ouais, après, il était... J'ai déjà parlé plusieurs fois de ce que je pensais des mondes ouverts d'aujourd'hui, et... Moi, ça m'attire plus, quoi. Ça me fait chier. Après, celui-ci, il était pas mauvais, mais... J'aurais fait le 100%, je pense que j'en aurais eu un... Ça m'aurait gavé. Après, pour une fois qu'Ubisoft, ils font un jeu qui vaut un peu le coup, allez-y, hein, vraiment, je te conseille. Mais ouais, non, je pense que le 100% sur Immortal, ça m'aurait gavé. Peut-être que en privé, hein, je le platinerai ou quoi, je reviendrai dessus, j'en sais rien. Mais vraiment à petite dose. Hein. Oh, putain. Bah moi aussi je suis un chasseur de platine. Si je platine Super Meat Boy en live, c'est pas pour rien, hein, tu sais. Moi aussi. En ce moment je platine Super Meat Boy et puis Deathloop. Kingdom Hearts, si je le platine pas en live, c'est parce que je l'ai déjà le platine. Du premier en tout cas. C'est le seul dont j'ai le platine, après il y en a quelques-uns où j'ai déjà des trophées, mais ma lentille elle m'a lâché. Ma lentille PS4 à l'époque. Donc du coup j'ai pas pu poursuivre. Mais j'étais bien parti pour avoir le platine du 2. Selon ce qui me restera à faire après avoir fait le 100% avec vous en live, je reviendrai dessus pour l'avoir peut-être, platine du 2. Bah même Chain of Memory par exemple. Alors, je disais, je suis un chasseur de trophées aussi. Mais si le jeu me plaît pas, je vais pas me forcer en fait. D'ailleurs, je dis bien que t'es un vrai tryhard pour faire la platine de Super Mario. Ah ouais, bah oui. Mais j'ai fait d'autres platines pas dégueu hein, en live. J'ai fait. Pour l'instant, j'en ai fait que 3. J'ai fait Crash Bandicoot 4. Crois-moi que j'ai roté du sang.
j'ai fait Cuphead. Et merde. C'était... Et sinon j'ai fait d'autres platines plus simples, genre Ghost of Tsushima j'ai fait récemment. J'ai fait Maniteur. Joseph, mais voilà. Non, j'ai fait... J'en ai fait pas mal en vrai des platines en live. Ah oui, j'ai fait Spider-Man, la version remasterisée PS5. Et ça c'est qu'en live, hein. Ah bah oui, évidemment, évidemment. Bah c'est ce que je dis, hein, si le jeu me saoule... Enfin, après, tu vois, par exemple, pour revenir au cas de Immortal, le jeu m'a pas déplu. Mais comme je le dis, est-ce que si je me sacrifiais à la platine, ça me... Ça m'aurait encore plu, je sais pas. Ça marche, pas de soucis. Mais comment je fais là sur ce passage de merde? Comment je peux être plus rapide en fait? Là ce niveau me gave. Je vais. Hop, voilà. Ça y est. Oh là là, au secours le jeu quoi. C'est de la merde. Alors j'ai vu le bandage du coup, je viens de l'apercevoir quasiment à l'instant. Ah ouais, ouais, pas sympa ça. J'avais pas toutes les variables. Oui. Bah ouais mais... Bah ouais mais... Bah ouais, mais c'est chiant, en fait, on va pas se mentir. À mon avis, ça c'est un niveau que je vais devoir faire en deux fois, une fois pour le rang A+, une fois pour la... le truc de merde. Putain. Mais merde! Au secours, hein. Mais putain, mais... J'arrive pas à... En fait, alors attendez, je vais essayer de le faire sans le bandage déjà, pour qu'on ait une idée de la merde qui nous attend quoi. J'ai mon grade A+. Ça... En vrai, le niveau, bah, typiquement, ça va le niveau, je trouve. Il est pas simple, hein. Je dirais pas qu'il est. Je dirais pas, ouais, en vrai, il est pas compliqué. Non, non, non. Mais. On le maîtrise, quoi. La preuve. En fait, j'ai une idée de comment faire, mais je sais pas, je vais aller trop vite. Du coup, ça m'amène à faire n'importe quoi.
Putain, mais ce placement de connard. Mais putain, mais c'est incroyable. JPP quoi. Comment je pense qu'il va pas il y aura pas de live Super Meat Boy cette semaine, hein, il y en aura pas d'autres. Hein. La semaine prochaine, je sais pas trop. Peut-être qu'il y en aura un ou deux, tu vois. Mais alors, cette semaine, c'est mort. Hein. Vraiment. Déjà, demain, il n'y a pas de live. Mais comment je peux faire? J'ai une idée. Alors, c'était pas ça mon idée, mais presque. Au secours. Donc voilà, j'ai pris un peu d'eau en passant, donc j'ai pris un peu de temps, mais y'a pas de soucis, t'en fais pas. J'ai pas passé hein, le niveau d'avant, t'inquiète pas, juste j'ai skip pour le moment. Celui-ci je l'ai passé, hein, j'ai fait mon rang à plus, mais là je vise le bandage. Oh, pas étonnant, un petit peu en vrai, hein, parce que j'ai réellement pas, j'aime pas abandonner comme ça, hein. Mais là c'est parce que je suis claqué en fait et que j'en peux plus. Si tu m'avais connu sur Crash Bandicoot 4, t'aurais vu que j'abandonnais pas comme ça. Même les gens qui me regardaient, ils en avaient plus marre que moi en fait. Ils me disaient comment tu fais. Ah mais putain. Oui non mais je sais. Non, mais t'en fais pas. Ah mais sur Crash Bandicoot 4 c'était affolant comment je pouvais rester des heures sur un seul niveau. Je crois que je me rappelle j'avais fait un stream qui avait duré je sais pas 6h, 7h mais juste sur le même niveau. Et putain mais tu me casses les couilles, prends là ta merde. Comment je peux faire? Mais en vrai j'ai dit que j'avais une idée mais je l'ai toujours pas essayé donc il faudrait l'essayer quoi. Ouais il la platine. Il la platine longtemps après moi mais beaucoup plus rapidement que moi. Enfin, en fait le piège que j'ai eu avec Crash Bandicoot, faut savoir qu'à la base quand je me suis mis sur Twitch, mon but c'était pas forcément de faire de proposer au moins un let's play platine chiant dans mon programme de stream, tu sais. Mais quand je me suis lancé sur Twitch, le Crash Bandicoot 4, c'était mon deuxième live. C'était le deuxième jeu que je faisais en live, deuxième live. J'ai annoncé que je faisais le platine. J'ai un peu regretté en cours de route. En vrai, non, ça va. Mais les gens, ils ont kiffé me voir faire des trucs chiants. Donc c'est pour ça que maintenant, je propose toujours un jeu avec un platine chiant. Et c'est pour ça que j'ai fait Cuphead et tout, comme je te disais tout à l'heure. Par contre, Cuphead, meilleure découverte que j'ai fait en live. Hein. Je comptais y jouer un jour, que ce soit en live ou pas. Mais ouais, c'était trop bien Cuphead.
En plus là, juin 2022, je crois. On a... Putain. Le DLC qui sort, ça on va le faire en live aussi. C'est ça que je voulais faire en fait depuis tout à l'heure. Let's go. Conclusion à la fin du platine sur Twitch. Ah oui, ah bah oui, 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 oui. Mais j'ai du mal à retrouver un public régulier qui vient avoir autant de monde et tout depuis que j'ai fini Crash Bandicoot 4. Vraiment. Crash Bandicoot 4, on était autour de 15-20 personnes, tu vois. Ah oui, d'accord, ça m'a l'air sympa, ça. Ah oui, très. Ah là là. Ah oui, 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 bien sûr. Je n'ai pas dit le contraire. Et je t'en remercie. De toute façon, ça fait toujours. J'ai déjà dit hein, que, en vrai, moi, si je stream, je m'en foutais d'avoir plein de monde et tout. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir des gens. Mais ouais, non, c'est vrai que Crash Bandicoot 4, depuis. Non, j'ai beaucoup de monde, quoi. Ah la vache, ok. Enfin, ok. L'angle de... Ok, l'angle, je l'ai à peu près. Ouais, super. Oh yes. Mais, fais un mi-tour, quoi. Pourquoi tu veux pas? T'es timide? Non bah alors là... Peut-être mais avoir au moins une personne dans la même ambiance. Ah bah oui, bah évidemment. Évidemment. Bah, déjà c'est beaucoup plus dur d'animer quand y'a personne. Hein. Moi je le fais... Je le faisais beaucoup dans les débuts, je le fais un peu moins maintenant. C'est rare que je fasse des streams où... Il n'y a pas minimum une personne qui passe, tu vois. Mais je dis pas que je sais pas faire, hein, mais... Mais c'est plus compliqué, quoi. Parce que quand il y a des gens, bah tu parles avec eux, tu dis, oh, bah, regardez, je fais ça, machin... Là, là. Bon. Exactement, plus on est de fou, plus on rit. Aïe. Dommage. Ah les balles de ping-pong de merde. Ah comment c'est trop dur à anticiper, j'ai bugué sur le dernier obstacle là. Oui voilà, là, je fais de la merde. Je vais refaire une dernière pause, je pense, hein, parce que je n'en peux réellement plus. J'en peux plus. C'était une très mauvaise idée du Super Meat Boy ce soir, hein, je m'en rends compte. Hein. Ah la vache, bah ouais, j'ai pas dormi. J'ai pas dormi, que veux-tu? Le Super Meat Boy, c'est la dernière session avant au moins une semaine, hein, vraiment, minimum. Mais on y reviendra, on va le faire. De hein. toute façon, je ferai pas un autre, je démarrerai pas d'autres jeux tant que Super Meat Boy il est là. Ah, la fatigue est présente. Ah ouais, là sur ce live, ouais, je suis très patient et tout. Mais ah là, j'en peux plus quoi. J'en peux plus. Là, ça, tu me Super Meat Boy, j'aurais dormi, j'aurais fait une nuit de, je sais pas, 6 heures, tu vois, minimum.
ça passait, hein, je te faisais 4 heures de stream là-dessus. Mais là, je vais faire une dernière pause. Et puis, je vais pas restreamer 3 heures, clairement pas. Ouais. Enfin, bref. En tout cas, je vous dis à tout de suite. Thank you.
Me revoilà. Je vous remercie de votre patience. La musique d'Animal Crossing, putain, je m'y attendais pas. Ah, je mets toujours des musiques Nintendo. Quand je prends en pause et tout. Le problème, c'est que ça se... J'avais laissé... comment dire... Tout ça... en mode, ça reboucle pas. Mais il y en a qui sont disclaim. Donc, pour l'instant, je reboucle. Mais je vais peut-être arrêter, tant pis. De reboucle, comme ça, on n'aura pas tout le temps les mêmes à chaque fois que je fais une pause. Bon, on va retourner câbler un peu. C'est rare que je câble comme ça en live, mais... Je répète, ce soir, c'était pas la bonne idée, quoi. Ah, putain. Mais c'est pas grave, on va vite finir Deathloop et on passera à GTA, hein, comme ça, après. La semaine prochaine, il y aura beaucoup de ça. La semaine prochaine, il y aura peut-être des trucs aussi un peu cool. Faut que je voie avec Taverne. L'autre con, Romain. Ah, j'ai mon rang à plus. Allez, let's go. Bien le bonsoir, monsieur Stro. Putain, mais quand on parle du loup, incroyable. Ah, putain, ça me fume. Cette connexion, quoi. Ah, ça me perd bien. Ah, t'arrives au soir où je suis en mode pétage de câble, hein, mais vénère. J'ai très peu dormi. Et c'était pas la bonne idée de faire du Super Meat Boy ce soir, quoi. Et je m'en suis rendu compte un peu tard. Je sens du timing. Ouais, je vois ça. Oh, parfait. Ah ouais. Non, mais c'est ce que je disais, Super Meat Boy, à mon avis, la semaine prochaine, il n'y en aura pas du tout. Même cette semaine, il n'y en aura pas. Parce qu'il me faut une pause sur ce jeu. C'est pas bon de faire une pause, en vrai, parce que je vais devoir me réapproprier le jeu, hein. Mais là, j'en peux plus, hein. Mais ouais, du coup, je disais que... La semaine prochaine, du coup, s'il n'y a pas de Super Meat Boy, j'avancerai plus vite dans Deathloop et qu'on pourra repasser à GTA. Et je disais qu'il pourrait peut-être y avoir des trucs cool et qu'il fallait que je voyais avec toi, quoi. On faisait des trucs ensemble. C'est avec l'autre con que je disais. Mais je suis... Mais non, mais je l'ai... Rappelle-toi de ce que j'avais dit. Oh, il y a une Warp Zone. Oh, comment je fais? Rappelle-toi de ce que j'avais dit sur Crash Bandicoot 4. J'aime bien faire des jeux où les gens ils disent « Oh putain, il y a quand même une grosse bite d'avoir fait ça. » Ah, je vais essayer d'atteindre la warp zone en fait. Ouais, bah j'ai bien cru comprendre. Faut juste. C'est que je me trompe pas, mardi, mercredi, jeudi, hein, c'est ça. Il y a que des grands moments sur cette chaîne. Et repose pipi terminé. Redessine. Ah! Je suis dans le parc, le temps de sortir à ce cas, j'ai une côte de merde, ah merde, ah, c'est pas grave. On parlera, on va discuter après. Ah bah y'a plus à voir. Mais... Ça marche, pas de soucis. Yes! Putain! Peuvent s'y aller chercher celle-là. Ah, on va voir la gueule de la Warp Zone aussi, parce que bon, la Warp Zone c'est cool, hein, mais. Laisse-moi le temps, mec, s'il te plaît. Oh la vache, mais c'est une patineuse aussi. Une warp zone en fait c'est alors
c'est pas réellement la même chose qu'une réelle Warp Zone comme on l'entend. Par exemple, dans le premier Super Mario, t'avais ce qu'on appelle des Warp Zones. Parce qu'à l'époque, tu ne pouvais pas sauvegarder sur NES. Et les Warp Zones, quand tu les trouvais, tu pouvais accéder à... Tu pouvais prendre des raccourcis d'accéder à d'autres niveaux, en fait. Et c'est en fait ça une Warp Zone de base. Mais là, dans ce jeu, non, c'est juste des trucs de merde qui font chier. Mais on est obligé de les faire, hein, évidemment. Sinon, c'est pas rigolo, quoi. Ah yes, putain. En gros, les Warzone, si tu veux, dans ce truc-là, c'est des trucs bonus, mais on est obligé de les faire pour le platine, hein, de toute façon. Mais putain, on veut plus. Laissez-moi crever. Crap, les musiques des Warp Zone, elles sont pas du tout énervantes, c'est bien. Allez! Ah, mais j'étais passé comme papa dans maman tout à l'heure, et là... il me fait chier. Oh là là, mais saute, connard! si vous avez jamais joué à ce jeu, faut savoir, je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, je m'en suis déjà plaint plusieurs fois, que le personnage a une inertie folle. Des fois il saute à 3 mètres, des fois il saute à 2 cm, des fois il saute pas, et il glisse tout le temps. C'est pour ça que je joue avec The Kid, mais bon, dans les Warzone t'as pas le choix. Allez, putain! Pas chier, mec. Moi, je vais me coucher, l'ami, car la fatigue commence à venir pour moi aussi. Passe le bonjour à Taverne et aux autres popins du stream. Allez, bye bye, ça marche, Destiny. Merci d'être passé. Des gros bisous, à la prochaine. Ah putain. Schneid. Je viens de voir, parce que en fait mon casque il est pété. Je viens de voir le reflet dans ma télé. J'ai pas l'air con avec ce truc qui dépasse là du coup. Je viens juste de le voir. Parce que là, je vois bien mon reflet dans la télé, vu qu'il y a des écrans noirs. Allez, allez. NON! Merci, ouais. Ah, il est bien, hein. Il est bien, t'inquiète pas. Ah putain! 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 Putain.
Ah là là. Ah là là. Mais c'est incroyable, ça, j'arriverai pas à le passer ça non plus un soir. C'est une violence. C'est d'une violence. Ah j'en peux plus quoi. Allez. Allez. Et non. Merci pour le follow, Sukshab. Merci beaucoup. Bienvenue chez les écouteurs. Non! Putain. Allez, s'il te plaît. Salut, ça va? Salut à toi, l'unique geek. Moi, ça va. Ça va. Ça va. Et toi? Ah oh là là, je suis nappe. Ah, ce soir, c'est compliqué, hein, les enfants. Parce que. C'était pas le soir où je devais streamer du Super Meat Boy. Je le répète. J'ai pas dormi. J'aurais pas dû. J'aurais dû faire un... Soit pas streamer du tout. Ah, il est bien. Hein. Il est... Oh non, il est pas vieux. Hein. Mais... Il est sorti en 2010. C'est parce qu'on a un style... rétro... volontaire. Pour les Warp Zone. Allez, non! Connard! Je te déteste. Là, ce soir, c'est le stream où je suis salé en plus. Hein. J'ai tant bien. Et donc, ouais, Super Meat Boy, on est là pour le Let's Play Platine, quoi. Dommage, ouais. Voilà. De toute façon, c'est beaucoup moi qui recommence, hein. Un platine noté à 10 sur 10 en termes de difficulté, je le rappelle. Oh putain. Heureux, mon taverne. Il y a Destiny qui m'a dit de te dire bonsoir. Destiny est parti dodo. Je te souhaite une bonne soirée et tout, quoi. Oh, l'épilepsie de là. J'en étais sûr que quand t'allais revenir, t'allais être bien. J'espérais un petit peu secrètement le passer avant ton retour, hein, parce que... Putain, j'aime pas passer 3 heures sur un niveau, mais... Ah, la Warp Zone de ces morts. Ouais, ça marche. Il ouais, faut que je me rappelle, hein. Warp Zone, ouais. Mais c'est ce que j'expliquais à Destiny. Normalement, les Warp Zones, c'est gentil. Tu prenais une Warp Zone dans Super Mario,
d'avancer dans le jeu. Pourquoi c'est devenu de la merde? Ils savent pas ce que c'est une Warzone. Putain, ben oui, je tente un double saut, mais je peux pas, j'ai pas The Kid. Non, c'était pas la bonne. Ah, désolé, hein. Désolé, mais... Wow. Compliqué, hein. On recommence, ouais. C'est un petit peu un jour sans fin. Hein. Finalement, c'est du Deathloop, hein, ce qu'on fait. Je disais, j'aurais dû faire du Deathloop, mais... Oh oui! Il faut pas qu'on s'excite, il en reste un. Ah! Crois-moi, j'aurais pas ta patience. Ah, beaucoup de gens me le disent, curieusement. Ah, c'est quoi cette merde? Je comprends pas les patterns des bordels. Ok, je vais rester un peu là. Allez. Ah putain, il monte. Mais en fait, c'est Super Meat Boy avec des chargements de 30 minutes entre chaque main. Ils auraient dû faire ça pour cette zone. Justement, on est en enfer. En vrai, j'aurais trouvé ça drôle. Mais bon. Eh ben on recommence quoi. Putain, mais j'ai quasi rien compris au troisième niveau là. Ah, oh, il a pas le droit de me faire ça. Oh, il me le refait hein. Il est sans gêne hein. Il a pas honte hein. Grandir, rager à ce niveau. Oh, à mon avis, peut-être pas celui-là. Hein. Ah, les Warzone, ouais. Quand tu perds une Warzone, tu recommences tout. T'as, en fait, dans chaque Warzone, t'as 3 niveaux. Bon, après, un peu de simplicité, ça fait jamais de mal à personne. C'est celui-ci qui me casse les couilles à chaque fois. Je pense que vous l'avez remarqué, hein, mais ça là, ah là, et bah, il l'a fait. Et puis là, il fait pas ça, évidemment. Ah oui, c'est pas un jeu pour moi, tu sais quoi, moi je regarde, c'est pas mal déjà. Ouais, d'accord. Ah bah, moi j'aime bien hein, avoir des jeux qui me résistent et tout, hein. Je pense que les gens qui me suivent un peu le savent maintenant. Mais c'était pas ce soir qu'il fallait que je le fasse. Je me répète, vraiment là, c'est dur. Château, mon âme. Ah oui, c'est vrai. Non, en vrai, je suis sûr que t'avais été plus loin. Dans mes souvenirs, t'avais été plus loin. Putain. Puis là, c'est pareil. J'essaye d'avoir le bandage. Vous allez me dire, pourquoi il essaye d'avoir le bandage? Parce que pour le platine, ça compte. Et que si je l'ai pas, bah, je vais devoir tout me retaper. C'est pour ça hein, que je me fais chier à prendre des bandages aussi. Le prochain, il monte. Prochain, il monte. À mon avis, là, il faut que je stagne ici. Ah, c'est bon, j'ai compris à peu près. En vrai, je crois que t'as été genre monde 2. Dans mes souvenirs, hein, mais le problème, c'est que... Bah, je sais pas, j'ai pas revu la rediff. Oh, non. Il fallait attendre. Bon. Ah!
Merci Satan pour les patterns, t'en as... Ah ouais, non mais là... Mais je les ai compris, hein. Mais c'est chiant quand même. C'est chiant quand même. Il est simple aussi, voilà, je trouve. Ah non, putain, je suis obligé de recommencer. J'avais pas vu qu'il fallait sauter. Ah, cet échec a un goût amer. Ah putain. Eh ouais, non. Non, ça fait pas 2 heures. Ça doit faire, je sais pas, 10 minutes. La victoire qui te frappe la gueule. Ouais, bah ouais. Ah non, j'ai essayé plein de choses avant. Il y a eu des réussites, d'autres non, mais... évidemment, le truc que j'ai first try... Ah oui, mais c'est vrai qu'il n'y a plus de... Ah, oh, mais qu'est-ce que je m'emmerde alors. Ah oui, parce que 2 heures, ça là dessus. Ah non, je serais courageux, mais en vrai ça me ferait chier, hein, de rester 2 heures là dessus. C'est long, hein, 2 heures sur cette connerie. L'accusation des jeux. De super viande, garçon. Tu sais que je voulais appeler mon live comme ça en plus tout à l'heure. Super viande, garçon. Je me suis dit, bro, je veux pas le faire. Je sais pas pourquoi, je l'ai pas fait. Mais putain! Ouais, je le ferai la prochaine fois. Dans 3 mois, quoi. Merde! Du coup, je me fais marrer. Mais putain! Ouais, je vois ça. Tu veux pas venir prendre la manette? Allez. Facile. On arrête les conneries un peu parce que... On a bien rigolé mais... Oh putain. Oh, j'étais plus bon entre les deux. OMG. Je vais te laisser en tout cas. C'était un plaisir de t'avoir découvert via Streamrunner. L'ami, ça marche. Des bisous, l'unique geek. Merci beaucoup. Et c'est vrai que j'ai même pas dit bonjour aux gens de Streamrunner qui sont arrivés. Tant pis. À la prochaine, j'espère. Des bisous. Le vrai gamer joue avec une manette d'Atari. Ouais, oui. Mais je joue avec une manette d'Atari, là, vous le voyez pas. Mais... Et merci pour le follow, l'unique geek. Merci beaucoup. Bienvenue chez les écouteurs. Ah! Est-ce qu'on l'a entendu au fait, le chuchot à chaque fois? Mais ça me ferait tellement chier qu'on l'entende pas. L'alerte son de... Ah, c'est bon, ok. Oh si, merci beaucoup. Ah, c'est cool.
Mais il se trouve que je pourrais lever le Fujim. Bah, je sais pas, il y a d'autres fêlés que moi, je pense, dans ce monde, mais. N'empêche qu'avec tout ça, on est bientôt aux 230 follow. Hein. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Des fois, j'ai envie hein, de tout quitter, de dire, oh, venez, on va se faire l'intégrale d'Adibou ce soir. Ah, il a panier, quoi. C'est pas vraiment de la panique, c'est juste qu'il s'est pas sauté, ce connard. Plaquer, finir sur Animal Crossing, ouais, bah pourquoi pas, hein, j'ai le jeu. J'ai ma carte de capture pour la Switch. Ah putain. En vrai, pourquoi pas. Ça fait 1000 ans que j'ai pas joué à Animal Crossing, en vrai, j'arrive pas. Mais allez, mais saute! Mais va là! Va voir ta connasse là! Putain! Tu m'emmerdes! J'en ai rien à foutre que tu saches rebondir! Connard! Mais ouais, non mais. Je te dis, il sait pas sauter! C'est une passoire! Enfin, c'est pas une passoire, c'est une savonnette! Il glisse dans tous les sens! Passoire, c'est pas le terme approprié! C'est un connard! Il me casse ses couilles! Une passoire savonnette, ouais, voilà. Ah, bah putain. Bien joué, mec. Il était temps, quoi. Merde. Vous voyez pas... Vous voyez pas, c'est trop près en fait. Allez. Ah ! Ça va. Allez. Ouf. Ah. Oh mais en fait c'est safe. Oh mets-toi bien. Oh let's go. Oh regardez, j'ai débloqué Spelunky. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Je sais qui c'est mais je sais pas ce qu'il fait. Venez on le teste juste pour voir. Même si je vais jouer avec The Kid hein, encore mais. Merci pour le GG. Oh what the fuck mec. Tu fais vraiment ça là. Mais ça sert à rien en fait. Ouais c'est pas terrible hein. C'est très peu ouf. Ouais, c'est de la merde, hein. Bon, bref. Il est où? Il est là. Ça, c'est mon gars sûr. Mais putain. Retour en enfer, hein. Ok, vraiment plus. C'était une. Ouais, c'est ça, hein. C'est réellement pas ouf ce qu'il fait, je suis désolé. Putain. Non, en vrai, The Kid, c'est le meilleur. Il a un double saut à partir de là, tu peux pas le test. Ah, yes. Mais c'est bien, au moins, vous l'avez vu. Ah, j'avais pas vu sa pente. Maintenant, vous le verrez plus, quoi. C'est... C'était le soir où il fallait venir pour le voir. Bah oui. Allez, laissez-moi juste prendre mon bandage en vrai, s'il vous plaît, les gars. Ouais, voilà.
ça arrive tous les 50 ans. Je sais pas si dans 50 ans je streamerai encore, ce serait peut-être un peu bizarre, mais... En tout cas, si dans 50 ans je stream encore, on reprendra Spelunky le temps d'un instant. Dans Super Meat Boy, évidemment. Allez, mais laissez-moi! Toujours un super. Ouais, je pense aussi, ouais. Je pense, hein, vraiment. Mais putain, mais je me fais martyriser par des boules, quoi. Puis lui, il veut pas y aller, là, il me casse les couilles aussi. Mec. Allez! Ah, t'es vraiment une sombre merde, quoi. Fais gaffe où je rappelle Spelunky. Je déconne pas. Oh, putain. Tout ça pour un bandage de merde. Parce que là, tu pourrais essayer d'avancer, mais... Ah, je parle mal, hein, mais moi, je... Faut toujours être violent avec le héros de... Du super-héros, ouais. Le héros du jeu vidéo. Sinon il t'écoute pas. Ah ouais, mais le timing des boules me casse les couilles, quoi. Ah ouais, bah il y a toujours une boule entre... Il y a toujours une boule et puis l'acier circulaire pour me faire chier, en fait. Ouais. Non, c'est pas sympa, quoi. Voilà, faut que je me mette là. Ouais, vas-y. Et roule. Et bah non. Et tout ça pour un bandage, hein, je le rappelle. Truc à dire dans une orgie. Une orgie SM, ouais, ouais. Une orgie Super Meat Boy, quoi. Super Meat. Mais oui, c'est pas faux. Bah c'est mort, bah oui. Tout a un sens maintenant. Mais oui. En fait, c'est pas Super Meat que ça veut dire, hein. Ça veut dire Sadomaso Boy. Ce sera le titre du prochain live après Super Viande Garçon. En plus, c'est dégueulasse. On joue avec un perso qui joue The Kid, on devrait pas dire des choses comme ça, quoi. Putain! Bah ouais! Bon, je vais essayer d'aller au bout du niveau pour voir un petit peu ce que ça donne cette merde et on va essayer de prendre le bandage après. Hein. Parce que je peux pas avoir le bandage et mon rang à plus, je pense. C'est impossible alors. Super. Ah, puis en même temps, ça fait chier de le laisser parce que je dois refaire le niveau, quoi. Oh là 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 là. J'ai juste pas envie là. Je suis désolé, on a un frein de mon retour. On va faire un truc plus posé. Là, il y a plein de rangs à plus à faire. Allez, puis on va essayer d'arrêter les pansements. Parce que là... On continue, on avance un peu, mais... Hein, bon. Oh, c'est facile, trop bien. J'ai dit c'est facile. Je comprends, ah oui, non, bah, j'en doute pas, mais... Mais c'est ce que je dis, hein, habituellement, je suis pas du genre à abandonner comme ça non plus, quoi, mais... Attendez. Ah, je l'ai, la Warp Zone. Attendez, je regarde. Ouais, je suis pas du genre à abandonner comme ça, mais j'ai pas dormi. Quoi,
Putain, je l'ai pas passé ça depuis le temps. Ça fait 1000 ans que j'ai déverrouillé cette warp zone. Je pensais que c'était fait, on n'en parlait plus quoi. Ah, c'est quand même plus simple. Hein. Ouais, la preuve. La prochaine fois, je fermerai ma gueule parce que. Ah, faut que je descende bon. Putain, elle aurait été sûre. Ah, les musiques sont bien, hein, mais à force, quand ça reboucle, c'est moins bien. Mais cette Warzone, par contre, je suis réellement surpris hein, que je l'ai pas passé. C'est un truc que j'ai déverrouillé il y a 1000 ans. Super. Super. Désolé, je suis un peu concentré. Concentré sur un niveau pas si exigeant que ça, mais quand même. Ah putain, le bâtard. Super. C'est... Ah d'accord. Voilà. Attention, j'ai tout mon temps. En vrai, limite, je pense qu'après cette warzone, je vais arrêter. Hein, parce que j'en peux réellement plus. J'ai envie de mourir, là. Mais IRL. Et en plus, j'ai dit, il me reste From Home à regarder. C'était temps, quoi. Putain! Pas easy pour mourir. Ouais, c'est pas si con comme idée, ouais. C'est vrai que ça aurait été con de se faire hype pendant quelques mois comme ça. Et... Mais saute qui t'a permis. Ah oui, mais d'accord, je comprends. Tu voulais me dire qu'il y avait ça. Ouais. Bien vu, petit. C'est vrai que ça aurait été con de se faire hype tout ça pour crever un jour avant, quoi. Merde. La merde. Non, demain soir. Demain, je la livrerai pas, du coup. Demain soir. Je sais plus à quelle heure exactement, mais... Ah non, parce que du coup, avec Romain, vu qu'il travaille et que... on voulait le voir ensemble... Et qu'on veut aller le voir dans une salle IMAX. Ben. C'était demain soir, quoi. En gros. T'as eu le matin en tête? Ah, bon, non. Moi, le matin, je dors. Ben, y a déjà des spoils sur Twitter. Que ça va foutre en vrai.
Déjà là, je comptais pas aller sur Twitter ce soir. Parce que j'ai pas regardé Koh-Lanta là, que je stream, puis c'est la finale. Donc du coup, vu que je regarderai Koh-Lanta probablement demain, je compte pas aller sur Twitter ce soir. Vu qu'à mon avis Koh-Lanta, je le regarderai demain en rentrant du ciné. Bah voilà quoi, pas de Twitter hein. C'était déjà au programme sans le savoir quoi. Putain, il me casse les couilles à se prendre le même pic à chaque fois. Je vais me faire quasi 3 jours sans technologie. Ah putain, trop bien quoi. Ah, c'est vrai que c'est chiant quoi. Tu devrais avoir des options en vrai. Je parle pas par exemple sur Twitch, hein, si un connard qui arrive et qui décide de te dire des choses, il le fait hein, malheureusement. Mais tu sais, sur Twitter, genre, tu peux masquer des trucs. Genre, tout ce qui concerne Spider-Man pendant un laps de temps. Tu tapes le mot Spider-Man et puis. Ça te le masque, tu vois. T'as moyen de venir ? Oh, je savais pas. Bah, tu vois. Rien que ça. Puis tu es des bonnes après. T'as dit, ça me casse les couilles, par contre. Après, j'imagine que vu qu'il y en a qui savent qu'il y a des mots qui sont bannes, il y en a qui vont mettre hashtag Martine à la plage et puis tu vas voir Octopus en train de. Je sais pas. Enfin bref, un spoil quoi. Ah! Putain! Ouais, c'est pas impossible. Moi j'ai vu des rumeurs. En fait c'est pareil, j'avais vu que en gros Martine dans chacun de ses livres c'est jamais la même. C'est toujours une Martine d'un univers parallèle. Et que du coup il y aurait plusieurs Martines dans le film. Mais putain, chier. Et qu'en gros on n'aurait pas la réunion de tous les Spider-Man mais de toutes les Martines en fait. De Martin Verse, ouais, c'est ça. Non, en vrai, je vous le dis, hein, la seule chose qui pourrait me décevoir dans le film, attention, hein, ça me décevrait beaucoup. Hein, je dirais que le film c'est de la merde, hein, si ça y est pas. C'est le Spider-Man japonais. Truc qui arrivera pas, tu sais. Du coup, demain, je me refais Amazing et Spider-Verse. Ah bah, moi, je le disais en début de live. J'ai calculé pour regarder un film par jour. Donc j'ai regardé la trilogie de Rémi, j'ai regardé les Amazing, j'ai regardé Civil War, Homecoming. J'avais le temps, j'ai fait Infinity War Endgame. Et bah ce soir Far From Home quoi. Ce serait ouf pour... En vrai je sais pas. C'est genre on verrait. Je suis sûr que à un moment dans le film on verrait un acteur asiatique. On serait en mode ah putain je sais pas qui c'est, tu vois. Ou alors on le reconnaîtrait pas tout de suite. Et ce serait lui, tu sais. Pas forcément, tu sais, qu'il est le costume de Spider-Man, mais... en caméo, comme ça, quoi. Truc à la con. Pas une feuille, à un moment, tu en vois plein. Bah... Du coup, s'il y a une faille à un moment où on en voit plein, ce qui serait bien, c'est pas de le voir lui, mais de le voir lui, dans... enfin, de voir son robot, tu sais. Là, au moins, t'es sûr que c'est lui, quoi. Ah, comment ça me casse les couilles.
Mais d'une force. Et pourquoi il continue à glisser? Il y a un trou. Il va dans le trou là, regarde là, il glisse et il va dans le trou. Et puis il meurt. Allez, ça me casse les couilles. Ouais, Tom Hardy qui comprend pas ce qu'il fait là, faut juste regarder Venom 2 en fait. Ça ira plus vite. Ça existe déjà en fait. Ah, putain, j'en parlais avec ma mère il y a pas longtemps parce qu'elle m'a dit qu'elle l'a vu et elle a dit ouais, effectivement c'était pas ouf. Alors qu'elle a aucune notion de comics ou quoi. Hein. Et putain, puis en plus Tom Hardy il en a rien à foutre quoi. Elle m'a dit oui, c'est vrai. Faudrait que je dise ça. Bah oui, oui, non, mais j'avais compris. Mais. Ouais, parce que techniquement, son personnage, il peut être là et dire oh, qu'est-ce que je fous là, tu vois, il comprend pas. Mais qu'est-ce que j'ai l'air con avec mon casque là qui a pété? Regardez, c'est quoi ça? Putain. Ça me saoule. Bon, bah voilà, c'était un stream. T'as l'air rincé. Mais en fait, je suis déjà rincé avant d'avoir commencé parce que j'ai pas dormi. J'aurais eu mes 6 heures de sommeil, j'aurais peut-être pas abandonné comme ça. C'est ce que je disais, hein. J'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, mais. Et tu regarderas le début de stream, je crois que je le dis même. Un truc du genre, oh putain, la gueule de Déterre que j'ai, tu vois. Mais ouais, non, là, il fallait que je me stoppe. Ce sera pas un stream long. Enfin, c'est pas un stream long. Mais je sais pas pourquoi, j'ai pas dormi. Je me suis dit, tiens, je vais faire du Super Meat Boy. Le mec trop con, quoi. Qui fait ça? Ah, je veux passer un bon moment. Je prends une petite nuit blanche pour arriver là. Ah, bah, c'est dommage que le 2 il est pas encore sorti en DVD. Hein. Je vais devoir chercher un lien et tout, pas très légal. Ouah. Je vais me faire le 1 et le 2, hein. Ouais. Franchement. Putain, ouais, Venom. Pourquoi ils ont fait ça, je te jure. Bref. Bon, on va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a quelqu'un en raid? Parce que je vois qu'on est quand même 4. Ou alors, est-ce que vous connaissez quelqu'un aussi? Parce que là, moi, dans mes suggestions, il y a... Enfin, dans mes suggestions, dans les streamers que je suis, il y a Mister MV, par exemple. Je suis pas sûr qu'il y en ait besoin. Pourquoi il y a personne? J'ai personne? Bah, moi non plus. Personne, vraiment personne. Si je faisais Super Meat Boy, après une nuit blanche. J'avoue, il n'y a que moi, hein. Il n'y a que moi qui fait des trucs bizarres. C'est... Mais ouais, non, là, Super Meat Boy, je me répète, mais la semaine prochaine, il n'y en a pas. Ça va être des lives Deathloop. Je vais essayer d'avancer dans Kingdom Hearts en privé pour pouvoir le finir la semaine prochaine, peut-être. Des lives un peu plus détentes avec notre ami Taverne et puis bah, Romain, peut-être, je sais pas, faut que je demande. Enfin, bref, tout ça, quoi. Là. Deathloop, c'est pas mal. C'est réellement pas mal. Mais là, il faut que... En fait... Il y a des trucs qu'il faut que je maîtrise, quoi. C'est... De toute façon, Deathloop, là, il y a des... Je suis entêté à vouloir faire un truc, là, en ce moment. Je te le dis pas, parce que tu veux peut-être le faire plus tard ou quoi. Mais je pense que je dois faire d'autres choses avant. J'ai dit Dame Lebrun. En vrai, c'est pas mal, hein. C'est réellement pas mal. C'est... Bah, tu crèves et tu recommences, quoi. Je pense que tu connais le principe du jeu. Puis à chaque fois, tu as des nouvelles informations et tout. Là, mini-spoil. Tu avances dans le jeu et tu as le moyen de sauvegarder ton équipement à un moment. Moi, je suis arrivé là. Parce que sinon, t'es obligé de tout recommencer et de tout te refaire ton équipement et tout. Mais c'est vachement bien. J'aime beaucoup le principe. Et j'ai vu que du coup... Là, le principe du jeu, il est cool. Et j'ai vu du coup le mode en ligne, quoi, en gros, de sur quoi c'est basé. Enfin, je l'ai vu dans le menu du jeu, hein, du coup. L'idée, elle est intéressante aussi. Mais je vais peut-être pas te dire
le pourquoi du comment. Mais en vrai, non, le jeu, il est cool. Il est cool. Mais là, quand... parce que la dernière fois que j'ai joué, ce que j'ai fait de live, il y en a un où j'ai avancé. Le deuxième, j'ai fait un truc, ce qui m'a pris, je sais pas, 20 minutes. Et après, ça a été 3 heures où j'ai rien fait, quoi. J'ai pas avancé scénaristiquement parlant, quoi. Donc ouais, à mon avis, il y a des trucs que je dois faire avant. En gros, quoi. Ouais, j'ai vu ça, de quoi le multijoueur. Ouais, non, mais c'est pareil, là, je le fais en platine aussi, Deathloop, parce que je voulais le platiner, puis je me suis dit que j'allais le faire en live, un platine détente, quoi, tu vois. Il fait bizarre de pas avoir la musique, du coup, moi je l'ai enlevé mon casque. Bon, enfin bref, moi je vais vous laisser là. Je vais aller manger. Putain, il est minuit 20. Dans ma tête, il était genre 22h30. Je sais pas pourquoi. Minuit 20. Minuit 20, puis je compte aller manger. Et puis regarder Far From Home. Ça, c'est dur. C'est dur. Oh là là. Bon, allez. Je vais vous abandonner là, les enfants. Je fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, donc pas demain, mais peut-être jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mercredi, tout ça quoi. Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, donc probablement jeudi, probablement 20h30, probablement Deathloop. À la prochaine, quoi je filme du coup. Ouais, ben peut-être que je filme, je vais le mettre, je vais... mais après c'est lui qui va me regarder. Et je finirai demain avant d'aller au ciné. Bref. À la prochaine. Des gros bisous et surtout, ne vous amusez plus. Bisous.